Bonsoir. Oui, j'ai copié le flow à Namor. Tu sais pas qui c'est? Tiens, je te mets le lien de ta chaîne, petit inculte. Bon, comme tu l'as vu, on va parler de l'homme le plus en danger de France. Et c'est un fait, c'est réel, c'est comme ça. Tu l'as vu sur la Mia, c'est Monsieur Coca-Cola, exactement. Moi, je vais pas faire une critique du clip de Onizuka parce que j'ai pas... Je me considère pas en fait comme un mec qui fait des critiques. Je les ferais pas assez bien, je trouve. Mais en tout cas, si t'en veux une bien sur le clip de Onizuka qui est sorti, je te mets l'affiche ici. Mais c'est Linst, le frérot LNST, qui a fait vraiment une critique au top. Je t'invite à aller la regarder. Bref, oublie pas de liker hein, si tu kiffes la vidéo. Allez, maintenant on parle vraiment du sujet. Bonsoir. Si t'as pas vu PNL Naha, si t'as pas vu PNL Onizuka, pour t'expliquer si tu veux, ils ont fait un court métrage où dedans il y a un mec, c'est Coca-Cola, c'est lui là. T'appelles pas Coca-Cola, mais tout le monde l'appelle comme ça, bref, t'as compris? Pourquoi? Parce que les cheveux, c'est cette couleur, c'est Coca, je veux dire voilà. Oui. Coucou. Et cet homme là, si tu veux, dans le court métrage, eh ben c'est un PD. C'est le méchant. Sauf que les gens, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur son Facebook, parce que oui, ils ont même retrouvé son Facebook, ils sont tarés. Excusez-moi, bonsoir. Oui, c'est toi qui insulte cet homme? Mais t'as fait quoi? C'est un clip. Allô? Bonsoir. Bonjour. C'est un clip. Allô? C'est un clip. C'est pas la vie réelle. Ouh, Onizuka. Oh, c'est un clip. Une chanson. Donc tu te calmes, tu redescends. Tu inspires. Tu expires, tu inspires. Tu expires, tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires. Et dans les commentaires, les gens sont même allés à l'insulter. Tu as des bases de... Ouais, c'est un fils de pute. T'as des trucs du style. Eh, le Renoir, si je te vois, je te nique ta mère. Je te défonce. Moi, je suis un ouf, moi. Tu me connais. Ah. Alors ouais, je te connais. Ah, mais frérot, c'est un clip. Tu imagines, à chaque film, il y a un méchant. On va le tuer. Genre, t'imagines, Matt Damon, il fait un film, c'est un méchant. Toi, t'arrives, tu le vois, tu le déglingues sa mère. Tu vas dire quoi, la juge? Ouais, mais c'était un fils de pute. Ouais, dans le film, ouais. C'était un fils de pute quand même. Oh, je suis ouf. Et donc oui, cet homme est en danger. C'est l'homme le plus en danger de France parce que tout le monde sur les réseaux sociaux, tous les gens attendent qu'une seule chose. C'est que dans la partie 3... Il se passe enculer sa mère. C'est ce qui devrait arriver. Il va se faire enculer sa mère, tu vois. Mais je veux dire, si vous le voyez en vrai, que vous devriez faire, c'est pas le... Voilà, l'insulter ou quoi. Prends une photo avec lui, le zin. Lui, il est dans un clip. C'est un acteur, d'ailleurs, où il joue très bien le... méchant. Mais en plus de ça, ils font 2 millions en moins de 24 heures. 2 millions de vues en moins de 24 heures. Bonsoir. Le mec devrait être une star, pas le mec le plus en danger de France. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous êtes deux ou vous? Mais bon, entre nous, quand on est dans le clip, quand t'es à fond dedans, moi aussi j'ai envie qu'il se fasse engueuler sa mère. Mais en vrai, c'est qu'un acteur, tu vois. Mais il y en a, ils vont trop loin dans la chose. Ça veut dire que vous êtes des oufs. Ça veut dire que vous, demain, vous êtes devant Money Drop. Laurence Boccolini, donc c'est l'animatrice là, je sais pas comment elle s'appelle. Elle vous dit, vous avez pas gagné. Vous allez dire, ouais, on va lui engueuler sa mère. T'es où, vous? On en a vu des hommes en danger en France. Mais lui, franchement, il est là. Il est devant tous les hommes qui étaient en danger, recherchés par tout le monde. Il est recherché par tout le monde. Ça veut dire que s'il rentre dans un quartier autre que le sien, je pense qu'il se fait défoncer. Et hop, hop, hop. Dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce que t'aurais envie de lui faire à Monsieur Coca-Cola? Parce que si t'es fan de PNL, t'as envie qu'il se fasse buter. Pas en vrai, là, hein, on parle vraiment du clip. Mais j'aimerais savoir en commentaire, t'aimerais, toi, que la fin, elle se passe comment? Tu veux que ça soit le petit frère qui le tue? Que ça se finisse bien? Que voilà. Tu vas dans les commentaires et tu me dis tout ça. Bref, tout ça pour dire que, messieurs, mesdames, ne confondez pas réalité et virtuel. Ça veut dire c'est juste un clip. Il y en a, vous allez trop loin. Vous me faites serrer. Bref, c'était un des types de vidéos que j'avais toujours envie de faire. Aujourd'hui, je l'ai fait. Donc, si t'as kiffé, si tu kiffes qu'on parle comme ça de temps en temps de petits sujets, là, en l'occurrence, c'était PNL, mais on pourra parler d'autres choses, c'est-à-dire de la vie ou quoi. Voilà, là, je suis moi-même. Ça veut dire que là, j'ai eu de la grosse force grâce aux frérots de la PGW, Kitchen, Bardi, Namor, tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, je fais ce que j'ai envie. Si vous kiffez, vous kiffez. Si vous kiffez pas, vous kiffez pas. Mais si tu kiffes, c'est super important. Fais-le-moi savoir. Laisse un petit commentaire. Dis-moi, je kiffe ce genre de vidéo. Jules, continue. Pose un gros like. Bombarde la barre de like. Partage sur Twitter, sur Facebook, sur je sais pas. RT la vidéo sur Twitter si toi aussi t'as envie qu'il se fasse buter dans le prochain clip. Allez, c'était le W. Ciao. Je fais les ronds, je fais les ronds, je fais les ronds.